traite aux petits oignons en vous présentant notre cuisinière de l'arc-en-ciel, une femme au dynamisme contagieux qui déguste la vie une bouchée à la fois, une amoureuse du pâté chinois. Oh oui, ça existe. Steak, blé d'Inde, patate. Beverly Naïta est une jeune infirmière de 27 ans qui est passionnée par son métier et par la déontologie. D'origine haïtienne, Naïta est née au Québec et a eu comme modèle sa mère, son idole. Entre deux séries télé et son amour de la cuisine, elle aime danser au son du hip-hop français. C'est son dévouement et son désir de bien performer qui l'a poussée à se tourner vers les soins de la santé. Pour toi, Beverly Naïta, comme tu es une personne reconnue pour ton humanisme et ta grande générosité, nous avons épluché tes intérêts et t'avons mijoté une petite surprise. Voici des épices de haut calibre. Salut Beverly, ici Florence Lompré, en direct de mon salon. Écoute, toute l'équipe de M'entends-tu, ainsi que moi-même, on tenait à te féliciter et surtout à te remercier pour ton dévouement dans ton travail, pour ta passion dans ton métier d'infirmière. On t'envoie toute notre gratitude et nos remerciements. Et on applaudit ta passion. Et pour l'occasion, on avait envie de t'offrir un petit cadeau. On t'a composé une chanson et tu vas voir, les paroles sont immensément complexes. Alors, attache ta tuque. Encore une fois, bravo. Et merci, ça va comme suit. Beverly, alias Naïta, on te dit merci. Beverly, alias Naïta, on... Je pense que je vais... laisser le volet chanson à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Encore une fois, bravo. Beverly, merci Beverly d'être aussi passionnée dans ton métier. Merci d'être un rayon de soleil pour tous ceux que tu rencontres. Merci d'avoir choisi la vie pour nous aider, Beverly. Tous les deux, on vient d'Haïti, puis on comprend c'est quoi la famille pour aider notre prochain. Merci, Beverly. Tu es spécial pour beaucoup de gens. Merci d'être dans nos vies. Merci d'être qui tu es, Beverly. 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 Merci tellement. Il n'y a pas d'autre mot qu'on peut dire assez fort pour te dire merci. Merci d'avoir choisi d'aider les autres. Ça fait tellement une différence. Tu ne peux pas savoir quand on se sent en confiance avec une personne parce qu'elle est spontanée, brillante, parce qu'on voit qu'elle aime ça, son métier, mais qu'on voit surtout qu'elle aime les autres. Alors, je te souhaite plein d'amour. Je te souhaite du beau temps. Je te souhaite aussi de te reposer, de prendre le temps pour toi, mais que la grosse vague soit passée. Mais sache que toute l'équipe de M'entends-tu, Flo, moi, Eve, on t'aime beaucoup puis on pense à toi. Hey, bye-bye. Oh, vraiment, c'est vraiment super. Hey, j'en reviens pas, vous avez fait ça. C'est très concept. Ils ont créé une chanson avec moi dedans. C'est comme malade. Ça n'a aucun sens. Merci à vous. Très apprécié. Ça fait vraiment chaud au cœur. À toi, Beverly Naïta, et à tous les travailleurs du système de santé du Québec, nous vous disons merci. Merci d'être nos chefs dans ce grand livre de recettes pandémiques.
on vous remet la fourchette d'or. Les recettes santé ont pour vous aucun secret.